Joshua ne va pas bien et se bourre d'antidouleur. Il espère qu'après ce qui s'est passé avec Claire, ils pourront au moins être amis. La jeune infirmière le maintient d'abord à distance mais, sensible à son désarroi, elle l'écoute et le réconforte. Quand Victor arrive à l'hôpital après un malaise, Joshua pose un diagnostic et se confronte à Alain, mécontent de le voir s'occuper de Victor, qui n'est pas son patient. Claire s'inquiète de plus en plus des sautes d'humeur de Joshua, et comprend enfin de quoi il souffre. Elle en réfère à sa hiérarchie, qui se réunit pour prendre une décision. Tandis que la santé de Victor est préoccupante, Claire reproche à Joshua d'être intervenu et d'avoir mis sa vie en danger. Conflit chez les Bastides depuis la mort d'Hugues, Julien est perdu au point de se confier à Xavier Fouché, futur partenaire de Elle Cosmétique qu'il vient juste de rencontrer. Très vite, les deux hommes se lient d'amitié et Julien présente sa famille à Xavier. Bien qu'Élise et Bess soient déterminées à apaiser les relations familiales, elle ne peut s'empêcher d'intervenir auprès de son fils dans la gestion de sa société. De leur côté, Hakim et Lucille cherchent à donner un sens nouveau à leur histoire pendant qu'Antonin et Anissa luttent contre leur attirance. The man I love just has